Bonsoir Sophie. Ah ben non. Bonsoir Nadine. Bonsoir Nicolas. Alors ce soir, exceptionnellement, Sophie ne sera pas là. Elle est souffrante, mais tu la remplaces au pied levé. Merci beaucoup. Je suis la remplaçante de Sophie. Oh, mais aussi une invitée de choix et une invitée de marque. Donc merci d'être là. Et ce soir, avec vous toutes et vous tous, on va parler des productions et des oraux pour évaluer les apprentissages de ces étudiants et donc comment mobiliser ces deux modalités pour cette session de juin. Si vous avez sélectionné ces modalités la semaine passée, que vous les avez communiquées à vos étudiants, mais maintenant, comment préparer vos examens? Ce soir, on va vraiment travailler avec vous là-dessus. On va parler de ces deux modalités, décortiquer ces deux modalités, tant dans les aspects de préparation ces formats d'évaluation, déroulement des épreuves et passation du côté des étudiants, et enfin correction. On va vraiment décortiquer tout ça pas à pas. Mais avant ça, on voulait parler d'un document spécial, du moins d'une publication qui est parue le 1er mai. Nadine, est-ce que tu veux en dire un petit mot pendant que je montre cette publication et que je la partage dans le chat? Oui, c'est ça. Ici. Donc, il s'agit d'un numéro spécial de la revue de l'ADMEI, hein, qui est l'association pour la mesure en éducation et en évaluation, quelque chose comme ça. Je me perds toujours un peu dans les acronymes. Et donc, en fait, cette revue est un numéro spécial sur l'évaluation au temps de la pandémie. Et en fait, le comité scientifique a réuni un nombre de publications assez importantes, un peu comme ils le disent dans l'édito de tout niveau, des choses qui sont des articles de recherche, mais des choses qui sont aussi des descriptions pratiques. Il y a 258 pages, je pense, vraiment avec des choses intéressantes. Je suis passée au travers d'une bonne partie dimanche. Mais je suis arrivée bravement à la page 186. Je pense que Nicolas est allé un peu plus loin, mais il y a vraiment plein de choses que voilà qui sont très utiles. Je pointerai comme ça, par exemple, de manière tout à fait générale, un texte sur la fraude et sur les stratégies de fraude en ce temps de pandémie. À la fois les effets sur les comportements de fraude des étudiants, mais aussi qu'est-ce qu'on sait des stratégies côté évaluateur qui seraient plus ou moins efficaces, anxiogènes. Voilà, donc ça, cet article-là, vraiment, je vous le conseille, il est très chouette. Et puis alors celui de Pascal De Trau, dont le nom m'échappe, parce qu'il en a deux, mais c'est le premier des deux, qui est assez intéressant parce qu'il reprend en fait tous les fondamentaux de l'évaluation, hein, toutes les questions, comment on conçoit en fait une épreuve d'évaluation, et il repasse vraiment par tous les points, mais avec chaque fois un regard Covid. Et donc vraiment, ce papier est très chouette aussi. Voilà, il y en a, j'en pointe deux, mais j'aurais pu en pointer d'autres. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. Pour bien pointer le texte de Pascal De Trau, son titre, c'est Une démarche structurée pour définir quelques conseils limitant l'impact de la pandémie sur l'évaluation de nos étudiants. J'imagine que c'est celui-là, parce qu'en fait, il n'en a pas deux, mais bien trois. Et encore, sans l'édito, ça en ferait un quatrième. Pascal De Non, c'est Trau était celui-là. plutôt C'est celui-là. prolifique. Donc, page 97 à 110. Et à côté de ça, en effet, dans tout ce numéro, on vous invite vraiment à le parcourir parce qu'il y a des pistes assez pratiques d'enseignants qui ont mis en œuvre et parfois déjà accumulé des résultats sur différentes modalités d'évaluation et parfois des choses assez créatives, que ce soit le potentiel des cartes mentales pour l'évaluation, l'utilisation du podcasting, le fait de faire des travaux collaboratifs, le pécha-coucha pour les examens oraux. On pourra peut-être en rediscuter dans notre partie sur l'évaluation orale. Mais en tout cas, pas mal de pistes et donc à la fois des conseils assez structurants d'un point de vue généraliste, des résultats de recherche ou des apports théoriques importants pour structurer son évaluation, et puis pas mal de pistes d'inspiration créative. Donc un numéro réellement
dans lequel aller puiser, et même peut-être puiser pour la suite, parce que aussi, j'ai bien aimé le texte de Katia Papi, Serge Gérin-Lajoie et Marie-Hélène Hébert, qui propose de se rapprocher de l'évaluation à distance, 10 pistes de réponse, et vraiment qui fait le pont entre l'évaluation telle que nous la connaissons, nous allons la connaître pour cette session, et finalement les évaluations habituelles à distance, et comment on peut essayer de rapprocher cette évaluation en situation d'urgence comme nous la connaissons aujourd'hui avec de réelles modalités d'évaluation. Donc je vous conseille également ce papier. Et tu as vu que Jean-Loup a bien aimé, lui, le Jean-Luc Gilles et le Bernadette Charlier, qui devait être après la page 186, parce que je ne suis pas arrivée jusque-là. Mais donc, Jean-Loup pointe celui-là. Donc, nous ne sommes pas les seuls à avoir eu un week-end studieux. En effet. Et donc, le numéro se trouve dans le chat. Vous pouvez le retrouver dans le chat. Il y a le lien. Vous cliquez dessus. Et ensuite, une série de PDF, ou le PDF en entier de... En effet, je ne sais plus le nombre de pages, mais près de 260 pages de pistes. Donc, il y a de quoi passer un peu de temps. Mais avant ça, on va quand même vous proposer de rester avec nous pour parler à la fois des productions comme modalité d'évaluation et ensuite des oraux. On va commencer par les productions. Si tu es OK, Nadine. Parfait. Et par rapport à ces évaluations de production, de travaux d'étudiants, je voulais commencer en te demandant, mais qu'est-ce qui change de d'habitude ? Parce que les travaux d'étudiants, ça fait déjà longtemps qu'on propose aux étudiants de faire des travaux, de les réaliser. Est-ce qu'il y a des changements ? Et pour toi, d'un aspect assez global, est-ce qu'il y a des points d'intention particuliers à faire en tant qu'enseignant si on propose à ses étudiants de faire des travaux, ou un travail en tout cas à sa cohorte d'étudiants? Oui, moi je dirais qu'il y a trois points d'attention qu'on peut peut-être souligner ce soir, et je m'appuie entre autres sur les lectures du week-end. La première, c'est de forcer le trait sur l'explicitation. Donc, plus que jamais, il y a lieu d'être extrêmement précis sur ce que vous attendez, et de ne pas hésiter à vraiment détailler de manière extrêmement précise et par écrit ce que vous attendez des étudiants, d'aller plus loin que d'habitude. Il semble qu'en présentiel, il y a toute une série d'informations qui, au fil des cours, au fil des contacts entre les étudiants et le professeur, peuvent se déduire, se déterminer petit à petit à travers la relation pédagogique, et qu'ici, cette relation pédagogique ayant été fortement interrompue, il y a toute une partie de l'information que les étudiants n'auront pas captée. Et donc, il faut vraiment aller un cran plus loin, mais vraiment plus loin, dans l'explicitation de vos attendus. Ça, c'est un premier point. Autre point, et ça, je dirais, c'est quelle que soit votre évaluation, puisque la situation est particulièrement anxiogène pour les étudiants, en fait, la présence de l'enseignant et le lien social entre les étudiants et l'enseignant est de nature à faire baisser l'angoisse et l'inquiétude des étudiants. Et donc, créer un moment social autour des explicitations, même si vous avez tout écrit, avoir un moment, en fait, où vous expliquez, vous, avec vos mots, dans le cadre de la relation pédagogique, ce que vous attendez du travail, est certainement aussi bénéfique, et permettre aux étudiants de poser des questions par rapport à ce travail. Les premiers retours qu'on a, par exemple, nos modalités ayant été communiquées le 27, les premiers retours qu'on a, c'est que les étudiants sont en manque de précision, et ce qui est conforme à ce que nous dit la littérature par rapport aux évaluations à distance en général, c'est qu'il faut plus de détails, plus d'explicitation. Et alors, enfin, troisième point d'attention peut-être, si jamais, j'ai été en contact cette semaine avec un prof qui, dans un trio qui devait remettre un travail ensemble, il y a un des maillons du groupe qui avait disparu de la circulation, et donc le prof a permis au duo de continuer seul. C'était faisable, c'est, par rapport à la charge, c'était envisageable, mais il est allé à la recherche du troisième
d'une manière bien plus bienveillante qu'il ne l'aurait peut-être fait en temps normal. Donc, quand tout d'un coup, un étudiant doit remettre un travail, soit de groupe, soit tout seul, et qui disparaît du radar, voilà, un message peut-être un peu plus personnalisé, un peu plus d'aller aux nouvelles et de se dire, bah, tiens, si on n'a pas de nouvelles de cet étudiant, il y a peut-être un problème, il y a peut-être des solutions à trouver par rapport à la situation dans laquelle l'étudiant se trouve. Donc, voilà, si je dois résumer, détail, explicitation, contact social et bienveillance. Ok, donc concrètement, c'est de proposer aux enseignants soit de prendre une partie d'une des dernières séances synchrones qui leur restent dans les deux semaines à venir pour prendre le temps d'expliciter toutes les modalités du travail aux étudiants et étudiantes et peut-être prendre le temps qu'ils puissent poser leurs questions. Et si ce n'est pas possible, c'est déjà de faire ces modalités par écrit et peut-être un peu comme on l'avait proposé pour tout ce qui était consigne il y a quelques apéros déjà, c'est de pouvoir faire ces consignes sous la forme de vidéo. La vidéo va créer un engagement émotionnel. Si on n'a pas la possibilité d'être en synchrone avec ses étudiants, le fait de voir l'enseignant qui donne les consignes en vidéo, ça va remettre de l'humain, en quelque sorte, ça ne permet pas de recréer le moment social. Et en effet, à côté de ça, plus que jamais permettre aux étudiants de poser des questions et peut-être pour vous, en tant qu'enseignant, de structurer la réponse à ces questions. Et donc, si vous optez pour les productions et que vous annoncez les consignes aux étudiants, n'oubliez pas de mettre un forum propre à ces travaux, du moins un espace où les étudiants vont pouvoir poser des questions et où vous pouvez structurer les réponses, c'est-à-dire que tous les étudiants ne vous envoient pas la même question par email. Donc là, le forum peut être l'outil qui vous aide là-dedans. Dans la préparation, il y a peut-être d'autres choses. Comment, si j'ai choisi l'évaluation, enfin la production comme modalité d'évaluation, comment est-ce que je dois préparer ça? Et peut-être une chose qui est importante, et je ne sais pas si les enseignants l'ont précisé, mais c'est qu'on peut faire de la production synchrone et de la production asynchrone. J'attendais un oui. Oui. Sophie m'a poussé, mais je suis un peu débutante. Vas-y. Est-ce que de ce point de vue-là, quelles sont les différences entre ces deux types d'évaluation? C'est-à-dire qu'il y en a une qui est plus au long cours, on va laisser simplement plus de temps aux étudiants, et l'autre qui est sur une période de temps restreinte. Enfin, est-ce qu'il y a des objectifs pédagogiques ou des activités qui se prêtent mieux à une forme ou à une autre? Enfin, comment faire le choix entre les deux types de production, synchrone ou asynchrone? Pas de... Vu l'expérience vécue par l'UCL aujourd'hui avec l'interruption de connexion de vous, j'aurais tendance, pour des raisons plus logistiques que pédagogiques, à considérer que tout ce qu'on peut faire de manière asynchrone en rencontrant ses objectifs pédagogiques me paraît plus prudent. Ce sera moins l'occasion de problèmes techniques et donc moins d'angoisse aussi à la fois pour le prof et pour les étudiants. Donc ta question est intéressante sur le plan pédagogique, mais je pense qu'elle est aussi intéressante sur le plan pragmatique. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais c'est moi qui pose les questions habituellement. C'est assez personnel, mais je suis pas un grand amateur des productions synchrones, dans le sens où j'ai l'impression que la production va nécessiter un temps de réflexion, et que si on cherche par la production à aller chercher des hauts niveaux cognitifs qu'on va évaluer chez l'étudiant, ben le fait d'avoir le temps de la réflexion, le temps de pouvoir synthétiser un ensemble d'éléments,
ça me semble important d'avoir ce côté asynchrone, ou du moins un temps beaucoup plus long pour faire l'évaluation qu'un examen à cahier ouvert en quelque sorte en 2 ou 3 heures, où certes je peux avoir mes supports de cours, mais où l'étudiant va avoir ses supports de cours, mais où finalement la part de réflexion et de travail est beaucoup plus faible. Donc je dirais que moi, les productions, je les envisage quasi toujours de manière asynchrone. Et d'ailleurs, je prends une question de Jonathan qui nous dit, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi qu'on n'évalue pas la même chose en production synchrone qu'en production asynchrone? En effet. Oui, moi, je trouve en effet aussi que c'est assez intéressant, sans doute, dans certaines études et à un certain niveau de formation, de pouvoir, en effet, mettre l'étudiant dans une situation relativement authentique, par exemple, face à un cas, et de voir finalement, en 2 heures, quel regard, quel avis il est capable de porter sur ce cas, en essayant vraiment de mobiliser l'ensemble des choses qu'il a apprises. Peut-être qu'en effet, ça dépend un peu peut-être où on se situe dans la formation, mais la capacité à réagir par rapport à un cas en 2 heures est relativement intéressante aussi, et teste certaines choses aussi. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Et puis, par ailleurs, les collègues qui, pour l'instant, sont en train de se poser beaucoup de questions par rapport à la fraude, le synchrone en un temps limité à cahier ouvert va quand même limiter d'une certaine manière la collaboration étudiante. Même s'ils échangent, ils ont quelque chose à remettre dans un temps imparti. Et donc, les échanges ne pourront peut-être pas être aussi fournis que si on leur laisse plus de temps. Donc voilà, c'est un des aspects. Mais sur la fraude, alors, j'ai l'impression que ce sujet de la fraude est devenu tout d'un coup le sujet dont tout le monde parle, la question à laquelle tout le monde essaye de trouver des réponses. On ne va pas réouvrir complètement ce sujet-là, mais par rapport aux travaux, c'est quand même quelque chose qui a toujours potentiellement existé. Alors, je peine à comprendre, moi, en quoi le fait de demander aujourd'hui à des étudiants de faire la production asynchrone qu'ils remettent après quelques semaines, aujourd'hui, dans ce contexte Covid, change par rapport aux années précédentes où on a toujours eu ces travaux et où une potentielle fraude a toujours pu exister. Enfin, Alors, justement, le papier qui est dans la revue dit qu'il n'est. Voilà, que. Et ce papier est très référencé, hein, donc c'est assez intéressant à lire, mais fait l'hypothèse qu'en situation de Covid, l'angoisse est telle et que ça pourrait avoir un impact sur la fraude, au sens où les étudiants pourraient avoir tendance. Il y a trois raisons qui feraient que les étudiants pourraient frauder plus que d'habitude. C'est l'inquiétude, l'angoisse, la chute de motivation. Hein, ils ont du mal pour l'instant à se mobiliser et à rester motivés alors qu'ils n'ont plus mis les pieds dans les institutions depuis plusieurs semaines. Donc cette chute de motivation pourrait aussi quelque part moins les mobiliser par rapport à leur apprentissage. Et le troisième point, c'est que le gendarme est plus loin. Donc, je m'explique, le fait de ne pas être en contact avec l'institution donne l'impression que le terrain est plus libre et qu'il y a moins de gendarmes sur la route. Et donc, ces trois aspects-là pourraient avoir en fait un aspect augmentant sur la fraude. Ça, c'est un des points. Donc, quand même à faire attention. Et on a parlé d'organisationnel, on a parlé aussi des moments où ces productions pouvaient être plus intéressantes. Est-ce que dans la préparation de ces productions en tant que telles, enfin dans le fait de réaliser les consignes, préparer les sujets, préparer les exercices, est-ce que pour toi, le fait que ce soit à distance en cette période, il y a des aspects pédagogiques dans les modalités, dans le support peut-être qu'on va offrir aux étudiants? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit être attentif ou attentive en tant qu'enseignant, enseignante? Alors, la production à cahier ouvert en synchrone est quand même un énorme risque, parce que la plupart du temps, c'est des choses qu'on n'a pas entraînées.
qu'on n'a pas eu le temps d'entraîner, qu'on n'avait pas prévu d'entraîner. Et donc, notamment la question que j'évoquais tout à l'heure, hein, on donne un cas plus ou moins authentique et on demande aux étudiants en une heure de se prononcer par rapport à ce cas authentique, ça pourrait s'avérer terriblement meurtrier en termes d'échec, parce qu'on on a pas du tout entraîné ça avec les étudiants. Et tout d'un coup, dans cette situation un peu particulière, ça nous apparaît la super bonne idée. Et en effet, sur le plan pédagogique, c'est loin d'être une mauvaise idée. Mais par contre, on l'a pas préparé et tout d'un coup, on se retrouve face à des copies qui sont pas sauvables et donc ça pose un problème. Évidemment, si on est en asynchrone, on diminue un peu cet effet. Parce que face à cette difficulté, les étudiants ont quand même la possibilité de rebondir, de discuter entre eux, de s'échanger des ressources et de pouvoir quelque part combler les trous sans nous. Attention tout de même à la créativité des enseignants, parce que je remarque que parmi les bonnes idées, mais qui peuvent malheureusement se transformer en fausses bonnes idées du côté des enseignants, c'est notamment l'évaluation par l'intermédiaire de production multimédia. Et je sais que Emmanuel Sylvestre en avait parlé, de se dire qu'on peut demander aux étudiants de se filmer, de réaliser des petites productions multimédia. C'est également ce que propose Christelle Lison dans les Pêches à Coucha, etc. Attention tout de même à des compétences qu'on n'aurait pas entraînées chez les étudiants en termes de compétences numériques. Toi, tu parlais des compétences à être capable de réagir à une situation, etc. Et également, tout ce qui peut être compétences numériques d'étudiants qui doivent réaliser un travail sous un nouveau format auquel on ne les a pas préparés. Et même si on leur donne un canevas, ça peut être pour certains une difficulté comme nous, là, de parler devant une webcam sans personne devant nous. On peut se dire, c'est comme une présentation orale. Non, ce n'est pas réellement la même chose. C'est un format auquel il faut s'habituer, développer des compétences par rapport à ça. Et les étudiants ne les ont pas, sauf si vous les avez entraînés par rapport à ça. Donc, c'est un point auquel il faut faire attention. Alors, je vois que tu étais attentive aux commentaires de Denis Bertium. Je ne sais pas si tu veux... que j'affiche. Et donc, Denis qui nous dit une question fondamentale, mais c'est plutôt un conseil qu'il nous fournit, relève des 4P. Cherche-t-on à évaluer la performance de l'étudiant, la capacité en conditions données, le produit, le résultat, le processus, c'est-à-dire la manière de procéder ou le progrès. Et je pense que ça permet en effet aux enseignants de se positionner par rapport aux modalités qu'ils cherchent ou qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Une des modalités... Oui, vas-y. Non, je partais sur un autre élément des modalités, donc vas-y. Mais ce qui est intéressant dans la question, en fait, je me suis dit ça aussi en vous écoutant, Sophie et toi, la semaine dernière, c'est que on parlait beaucoup, il y avait des participants sur le fil qui parlaient beaucoup de revenir aux objectifs d'apprentissage. Et évidemment, en tant que pédagogue, si je ne parle pas d'alignement pédagogique et sur le qu'est-ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous avez entraîné, et donc c'est bien ça que vous évaluez. Et finalement, c'est à ça que la question de Denis nous renvoie, hein, d'une certaine manière. C'est qu'est-ce qu'on visait à développer chez l'étudiant. Mais j'aurais tendance ici à dire finalement, et c'est un des aspects qui me fait peur peut-être dans la session vers laquelle on va, c'est que finalement, les productions, ce que vous demandez aux étudiants qui va vous permettre de regarder comment ils pensent et comment ils raisonnent, comment ils s'y prennent et comment ils attaquent votre problème. Quelque part, quitte à ce qu'il n'ait peut-être pas la bonne réponse. Mais toutes ces évaluations, vous allez pouvoir observer un cheminement, sont quand même de nature, dans la situation qu'on vit maintenant, à vous aider à prendre la bonne décision. Parce que, in fine, peut-être que cette session-ci, au-delà de l'alignement pédagogique et de la rencontre des objectifs d'apprentissage, une des questions qui va être en filigrane de toute cette évaluation, c'est est-ce que je peux prendre le risque de le laisser passer ? Parce que c'est ça, hein, finalement, la vraie question cette fois-ci. C'est vu la manière dont on a enseigné, vu la manière dont les choses se sont passées, il va falloir qu'on soit bienveillant, que le doute profite à l'étudiant, on le sait. Et donc, finalement, la vraie question, c'est est-ce que si je le laisse passer, il va s'en sortir l'année prochaine, hein, il va pouvoir rester dans le train et récupérer le fil, ou est-ce qu'au contraire, ça ne va pas aller, ça n'aurait de toute façon pas été, et il vaut mieux l'arrêter, voilà. Et donc,
je pense que cette année, plus que jamais, cette question de est-ce que je peux prendre le risque ? Et donc, plus vous aurez des éléments pour voir comment ils pensent, comment ils raisonnent, quelle est sa méthodologie par rapport à votre matière, et plus ce sera facile de prendre cette décision. Accumuler des traces. C'est d'ailleurs un de tes arguments pour tout ce qui est examen oraux. Absolument. Bon, on en discutera après. Dans les modalités habituelles liées aux productions, souvent il y a des travaux de groupe et potentiellement les enseignants ont continué ici à opter pour ces travaux de groupe. Et donc, ce point est une question à laquelle on a l'habitude de répondre, mais j'ai l'impression que les enseignants la voient comme nouvelle, c'est comment distinguer la participation des uns par rapport à la participation des autres, des unes ou des autres, et de se dire que ici, lorsqu'on va avoir une évaluation par production asynchrone collective, quels sont les points d'attention auxquels les enseignants peuvent faire attention, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour, dans ce contexte, essayer de mieux évaluer les uns et les autres dans un groupe ? Est-ce qu'il vaut mieux donner une note collective comme on a l'habitude de voir ? Enfin, est-ce qu'il y a des recommandations ici sur les évaluations en termes de production collective ? Mais là, pour le coup, tu trouves que c'est spécifique à la situation dans laquelle on vit ? Non, c'est bien ce que je disais, hein. C'est quelque chose qui est transposé, et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça ne change pas. Par contre, des enseignants qui habituellement, alors parce que probablement qu'ils voyaient les étudiants lors des cours en présentiel, parce qu'ils avaient plus ou moins suivi de l'avancée des travaux, ou même parfois parce qu'il y avait une évaluation orale finale, ne s'inquiétaient pas de la participation et de l'activité de chacun des étudiants. Habituellement, ce n'était pas une question, et tout d'un coup, ici, même si, en quelque sorte, ça n'a pas changé, c'est une question qui devient un peu plus sur le devant de la scène, c'est dans ces évaluations collectives, comment je vais pouvoir juger du travail de chacun et chacune, si je n'ai pas pu réellement les suivre, comment un peu départager les étudiants ? Et en effet, habituellement, c'était déjà le cas, mais c'est une question qui arrive aujourd'hui. Mais j'aurais tendance à dire que si l'enseignant d'habitude ne le faisait pas, eh bien qu'il ne le fasse pas. Okay. Voilà, le risque n'est pas plus élevé cette fois-ci. Si les années précédentes, il se contentait, je dirais, d'un travail qu'il remettait à trois et qu'il jugeait la production écrite remise par le trois, ben qu'il continue à le faire. Maintenant, s'il avait l'habitude de faire suivre ça d'une présentation orale, ben pourquoi pas le faire ? Avoir un moment d'échange avec les trois étudiants, je dis trois, hein, mais j'aurais pu dire deux ou quatre, mais avoir un moment d'échange avec le groupe et pouvoir aller chercher chez chacun des étudiants quelques éléments pour voir un petit peu, pour vérifier l'implication de chacun des étudiants dans le travail. Et encore une fois, j'aurais tendance à dire que si les trois sont capables de répondre, ça veut dire que même s'il y en a un qui n'a rien fait, il s'est débrouillé pour comprendre ce que le travail contenait et être capable de répondre aux questions. Donc, quelque part, en termes d'apprentissage, on n'est pas nulle part. Hein, donc, peut-être que ça peut passer comme ça, surtout cette année. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur aussi, dans les conditions dans lesquelles on est, c'est le souhait que certains enseignants ont de multiplier les modalités. Hein, donc, je vais faire un travail avant, je vais faire un petit écrit d'une heure, et puis je vais encore faire un oral pour ceux qui ont entre telle note et telle note. Alors, dans les ennuis logistiques, dans les risques de problèmes techniques qu'on va avoir, voilà, ça semble un peu déraisonnable quand même de multiplier à l'infini les outils d'évaluation. Ok, donc se fixer sur une modalité. Oui, et je suis d'accord avec Sophie, le travail de groupe, de toute façon, voilà, ça a toujours été un problème de savoir qui avait fait quoi. Et quelque chose qui a aussi toujours été dans le vocabulaire des pédagogues, mais que j'ai l'impression certains enseignants et certaines enseignantes découvrent aujourd'hui, c'est que dans beaucoup des manuels et des supports que les institutions ont fournis pour les enseignants, à propos de ces productions, ces manuels parlent de grilles critériées. Et tout d'un coup, c'est en quelque sorte une inquiétude pour les enseignants, c'est-à-dire d'avoir des critères au début
enfin, du travail, avant que les étudiants fassent le travail. Est-ce que tu as des conseils sur la création en très rapide? Je sais que ça pourrait être très long, mais comment se faire en tant qu'enseignant une grille critériée et à la limite, parce que c'est aussi indiqué dans certains documents, est-ce qu'il faut la partager aux étudiants? Alors, je sais que c'est un sujet dont on a l'habitude, en quelque sorte, dans la communauté pédagogique, mais ici, encore une fois, certains enseignants le découvrent. Donc, qu'est-ce que c'est cette grille critériée? Quel est son apport? Et finalement, est-ce qu'il faut la communiquer aux étudiants comme on nous le propose dans certains documents? Nico, tu sais que ça prend sa journée de formation, ta question, là. C'est mignon, mais... Mais ça ne m'inquiète pas que tu puisses nous la résumer en 5 minutes. Non, d'abord, si la grille critériée existe, évidemment qu'elle, évidemment qu'elle est donnée aux étudiants, hein, ça c'est bien évident. Bon, normalement à l'heure qu'il est, elle devrait déjà avoir été donnée, hein, si elle existe. Et donc j'aurais un peu peur de la grille d'évaluation qui sortirait maintenant, d'un chapeau et qui serait communiquée alors que les étudiants sont en passe de remettre. Faudrait pas que le fait d'écrire une grille critériée tout d'un coup vous donne de super idées sur lesquelles en fait vous n'avez pas communiqué en amont aux étudiants et que finalement ça augmente la divergence de vision entre vous et les étudiants, hein. Ce serait évidemment tout à fait problématique. Maintenant, dans le souhait que les étudiants ont que ce soit plus explicite et plus détaillé que d'habitude, c'est évidemment il n'y a pas plus explicite en termes d'attendu qu'une grille d'évaluation, bien entendu. Ça, c'est en effet limpide. Mais attention à un outil d'évaluation super précis qui débarquerait quand les étudiants ont quasi fini le travail. Ça, je pense qu'au contraire, ça remettrait une couche d'angoisse tout à fait inutile. D'accord. Alors, on va bientôt passer aux oraux. Je sais que c'est une de tes modalités d'évaluation préférées, du moins... une que tu as portée dans un débat passé. Avant ça, peut-être parler de quelques dimensions techniques sur les productions, de dire que, d'une part, et n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le chat, sur les aspects techniques sur votre plateforme, vous, sur le LMS institutionnel, ça va être assez important, de, comme Nadine l'a mentionné, d'avoir les consignes, si possible même la grille, mais du moins d'avoir les consignes visibles, accessibles facilement sur cette plateforme, et surtout de bien indiquer quelles sont les modalités de remise du travail, et peut-être de faire attention aux aspects techniques. Lorsque vous allez configurer le dépôt, comme on appelle ça sur Moodle, et encore une fois on cite Moodle parce que c'est l'une des plateformes les plus communes parmi les institutions en Belgique francophone, faites attention à sélectionner les formats que vous allez accepter et potentiellement la taille des fichiers. Ça pourra engendrer un stress chez les étudiants si en quelque sorte vous leur proposez de remettre une vidéo mais que vous n'acceptez une taille de fichier que de 5 mégas. Enfin, en soi, 5 mégas, c'est rien pour une vidéo. Donc, faites attention à ces aspects-là. Faites attention également à potentiellement leur proposer la possibilité de réuploader leur travail jusqu'à une date finale, si c'est la date qui est importante pour vous. Ça leur permettrait de soumettre une première version et de se dire au moins si j'ai un problème technique par la suite, il y a déjà cette version-là, et de prendre le temps de se relire. Donc, toutes ces modalités-là, vous allez pouvoir voir dans les paramétrages des plateformes, vous allez pouvoir agir sur ces aspects-là pour réduire peut-être le stress et l'inquiétude des étudiants. Et de ce point de vue-là, encore une fois, communiquer auprès des étudiants. Et peut-être un conseil également, c'est n'utilisez pas l'email. Ça peut être tentant et facile de proposer aux étudiants de vous remettre le travail par email. L'email est un outil qu'on utilise tous les jours et qui peut être très sûr et sans problème, etc. Mais c'est aussi un outil qui peut avoir un ensemble de problèmes techniques. Un email d'une boîte email, si les étudiants utilisent leur boîte personnelle pour vous envoyer le travail parce qu'ils ne pensent pas aller sur la boîte institutionnelle, l'email peut tomber dans vos spams potentiellement.
Et ne serait-ce que à l'ULB, je sais qu'on a parfois des problèmes lorsqu'on reçoit des emails de Gmail, les emails passent en spam, et donc un étudiant qui aurait une boîte Gmail pour vous envoyer le travail pourrait tomber en spam. Donc vraiment, je vous déconseille d'utiliser l'email comme modalité de remise des productions et plutôt de privilégier la plateforme institutionnelle ou une boîte de dépôt comme il peut en exister dans d'autres outils. Mais essayez d'éviter l'email pour la remise des travaux. Voilà un peu pour les quelques considérations techniques. Et pendant ce temps-là, il y a eu quelques questions. Oui, est-ce que tu souhaites... Oui, prends un peu celle de Karine. Moi, je n'ai pas la totalité de la réponse de cette question-là. En fait, moi, j'ai essayé de faire une grille d'évaluation dans Moodle. Et en fait, in fine, j'ai plutôt capitulé et fait ma grille d'évaluation à part et je la charge en feedback. En fait, après l'évaluation, je la charge complétée aux étudiants parce que j'ai eu du mal, moi, avec la grille d'évaluation de Moodle. Tu l'as déjà pratiquée, toi, Nicolas ? Oui, et je vous... Enfin, après, peut-être que certaines personnes parviennent aussi à mieux configurer Moodle que moi, mais je vous déconseille d'utiliser cette grille d'évaluation si vous n'avez pas un usage ultérieur de cette grille. C'est-à-dire que cette grille peut être intéressante si par la suite vous corrigez les travaux des étudiants directement online, vous allez avoir l'ensemble de vos critères, vous pouvez avoir le travail de l'étudiant, vos critères, vous allez pouvoir répondre à ces critères, ça va envoyer automatiquement un feedback aux étudiants en fonction des critères, avec le critère, un commentaire. Ça peut être également intéressant s'il y a de l'évaluation par les pairs, parce qu'encore une fois, ça automatise l'ensemble. Le grand défaut de cette grille critériée, c'est qu'elle est plus difficile à utiliser sur un plan ergonomique. Et donc, les étudiants vont avoir tendance à vouloir l'imprimer et par impression, elle peut être assez compliquée. Elle est aussi techniquement... il faut un peu se plonger dans Moodle parce qu'il y a différents niveaux de critères. Enfin, il y a les A, B, C, D, il peut y avoir les points, il peut y avoir des pourcentages. Et donc, ça prend un peu de temps de bien configurer sa grille d'évaluation. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez faire une grille critériée que vous n'avez pas trop de temps, le mieux est de la faire simplement en PDF et de la charger sur la plateforme, sauf si vraiment vous souhaitez en avoir un usage ultérieur. Tu disais ? J'avoue que lâchement, c'est ce que j'ai fait. Okay. Et en effet, abandonné, j'ai trouvé que le paramétrage de la grille d'évaluation, j'y suis pas arrivée, ça devenait contre-productif par rapport à l'usage que j'en faisais. Jonathan nous demande de revenir sur un point qui me semble assez bien, qu'on n'a pas évoqué, qui est les remises intermédiaires, en fait, pour les productions. Et donc, ça, si vous avez le temps, si c'est possible, j'ai tendance à pas l'évoquer parce que les cohortes à l'université sont telles que c'est un peu déraisonnable en termes de charge enseignante. Mais c'est vrai que quand on a un nombre plus restreint d'étudiants, si on peut avoir des productions intermédiaires et pouvoir quelque part valoriser, et là, on revient au P progrès de Denis tout à l'heure, hein, et valoriser le chemin parcouru, la capacité qu'a l'étudiant à réagir par rapport à votre feedback pour améliorer sa production, ça sur le plan pédagogique, sur le plan de l'accompagnement, de l'apprentissage, sur à tout niveau, ça c'est vraiment super. C'est malheureusement pas toujours possible. En effet, pardon Nico. Non, je disais, on l'avait noté dans nos conseils, mais on n'en a pas parlé parce qu'en effet, c'est une charge particulièrement importante. Et finalement, l'intérêt aussi de ces productions, c'est qu'elles vous demandent du travail avant l'évaluation, dans la conception des consignes, de la grille, etc. Elles vont vous demander beaucoup de travail pendant la phase de correction et on essaie de minimiser le temps pendant. Maintenant, si vous avez aussi beaucoup de temps pendant la passation ou du moins entre la création de l'évaluation et la passation en tant que telle et que pendant ce déroulement, vous pouvez proposer aux étudiants de revoir leurs travaux, de leur fournir des commentaires, tant mieux, mais c'est pour vous faire aussi gagner un peu de temps dans une période qui semble déjà assez chargée. Tu souhaitais revenir sur un élément en particulier ? Oui, un point, c'est que... En bon pédagogue, il faudrait évidemment conseiller d'avoir une grille critériée extrêmement précise et voire même pondérée.
hein, où l'étudiant sait à l'avance à quelle partie de la grille vous accordez le plus d'importance en termes de points. Mais peut-être qu'ici, on va se faire une petite pause sur cette recommandation totalement orthodoxe, dans le sens où si jamais les résultats devaient être en deçà de votre moyenne habituelle, en deçà de vos espérances, pouvoir jouer sur la pondération de ce qui est bien passé comme message. Hein. Imaginons par exemple que tout ce que vous avez eu le temps de voir par vous-même avant l'arrêt est bien passé. Et que malheureusement, tout ce qui est après le 15 mars pose vraiment problème. Les étudiants s'en sont pas sortis, ça n'a pas marché. Et qu'au départ, vous avez imaginé accorder une part de points similaire aux deux parties, ben, vous pourriez vouloir, post-évaluation, modifier un petit peu les choses pour que les conséquences soient moins dramatiques. Donc, je pense que cette fois-ci, il faut quand même essayer de se laisser une petite marge d'adaptation et de flexibilité dans l'intérêt de l'étudiant, bien entendu. Pas okay. Oui. Alors, il nous reste 20 minutes pour parler des évaluations et des examens oraux. Donc, je reprends ma question de base qui ouvre un peu complètement. Mais qu'est-ce qui change entre un oral habituel et au-delà des modalités techniques, et on va revenir sur la technique, mais qu'est-ce qui change entre un oral habituellement, comme on peut le connaître avec ses étudiants, et un oral dans cette situation, avec cette distance? Et je crois que tu es bien placé d'une certaine manière, parce que dans ta faculté, à l'ULB, c'est la fac où il y a le plus d'oraux, c'est ça? Oui. Oui, donc, les choix qui ont été faits par rapport à cette session, c'est d'essayer d'augmenter autant que faire se peut les oraux et de ne pas avoir trop d'écrits. Alors, comme le dit Pascal Pascal Detrault dans son papier là, dans la revue qui est parue vendredi, c'est que d'habitude l'oral n'était pas forcément son mode d'évaluation préféré parce que c'est celui qui comporte le plus de biais. Hein, puisqu'on est vraiment dans la subjectivité, la relation, la manière dont les gens s'expriment, dont ils s'habillent, dont voilà, votre état de fatigue au moment où tel étudiant passe par rapport à un autre étudiant. Donc normalement, c'est en effet une évaluation voilà, que moi j'aime bien, mais qui c'est vrai comporte un nombre de biais considérable. Seulement cette fois-ci, elle va aussi avoir un certain nombre de bénéfices, dont celui de mettre l'étudiant à l'aise, de partir de ce qu'il sait, de ce qu'il a été capable d'engranger par rapport à votre matière, et va vous permettre de prendre cette décision dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment une décision importante cette année, c'est est-ce que je peux prendre le risque de le laisser passer ? Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir plus facilement sentir à l'oral. Maintenant, dans les recommandations qu'on peut faire par rapport à cet oral, il semblerait qu'en mode à distance, ce soit encore plus fatigant. Hein, donc, un oral n'est déjà pas… Pour l'enseignant ? Oui, pour l'étudiant ou l'enseignant ? Non, l'étudiant, ça ne durera que 20 minutes, mais… Pour l'enseignant, ça va durer un peu plus longtemps et donc prévoyez plus de pauses que d'habitude. Donc, si vous avez l'habitude de pratiquer l'oral et d'y consacrer plusieurs journées, n'hésitez pas cette fois-ci à prévoir plus de pauses dans votre horaire que d'habitude. Et sur d'autres choses, Nico ? Comment dans ta faculté ça va se dérouler ces examens oraux, parce que, habituellement je vois, mais ici comment vous avez organisé ça, comment est-ce qu'il y a plusieurs évaluateurs, enfin. Alors tout d'abord oui, dans ma faculté donc qui est Polytech, la plupart des examens oraux sont des examens à préparation. Hein, où l'étudiant doit quand même un petit peu jeter sur papier un certain nombre d'éléments avant de passer devant le prof. Et donc, on va garder cette modalité avec un temps de préparation surveillé par un assistant, avec éventuellement 2 à 3 étudiants surveillés par un assistant dans
Alors, nous, on utilise Teams, et donc ça veut dire dans un canal privé, et puis ensuite, l'étudiant passe dans le canal examen auprès du prof. Pour pouvoir aussi faire face au nombre d'étudiants, ben, les assistants, donc on va démultiplier les évaluateurs. Hein, ça, on en a déjà parlé dans un apéro précédent, soit des collègues vont venir en renfort, soit des assistants, pour augmenter la capacité à évaluer un nombre important d'étudiants. Et donc, évidemment, ces gens qui vont évaluer ensemble vont devoir vraiment consolider terriblement leurs critères d'évaluation. Hein, on est là avec une difficulté en termes de fidélité. Hein, si je vous rappelle les trois qualités d'une évaluation, validité, pertinence, fidélité. La fidélité étant le fait que on obtient des résultats jamais similaires, mais proches d'un évaluateur à l'autre parce qu'on se construit des grilles d'évaluation, enfin des critères d'évaluation partagés. Donc là, évidemment, il va falloir terriblement consolider ça. Et alors, un point qui nous anime pour l'instant, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux pédagogie universitaire, un point qui nous anime, c'est la légalité de l'enregistrement de l'examen oral. Donc, nous, d'après notre service juridique, enregistrer un oral ne peut se faire qu'avec l'accord des deux parties. Et l'accord de l'étudiant ne serait pas juridiquement considéré comme tel parce qu'il est dans une relation de contrainte, puisqu'en fait, il est en situation d'évaluation. Et donc, l'accord qu'il pourrait accorder ne serait pas un accord considéré totalement libre. Inversement, d'autres universités le conseil, d'autres institutions, enfin, on partageait et on continue à partager, on n'a pas fini, sur le blog d'Amaury Dahl, hein, enfin, sur la page d'Amaury Dahl, rappelle-moi le titre, je ne sais plus. Pédagogie universitaire, enseigner et apprendre en enseignement supérieur. Voilà, c'est ça. Et donc, on a un petit débat là-dessus, donc à suivre pour savoir si on peut légalement enregistrer un oral à des fins pédagogiques, évidemment. Hein. Donc, on peut tout à fait imaginer que, parce qu'on ne va pas se repasser toutes les bandes des oraux passés par les étudiants, hein, c'est juste, ce serait complètement dingue et ce n'est pas ça le but. Mais par exemple, si à un moment donné, on a un doute parce qu'on était fatigué de pouvoir se repasser la bande, si entre évaluateurs différents, on se dit, bah, tiens, j'ai eu un drôle de cas, j'aimerais bien votre avis. Enfin, l'enregistrement ici aurait un sens pour augmenter la fidélité de l'évaluation par l'oral. Le problème, c'est à savoir donc, si c'est légalement possible ou pas. Et donc, épisode à suivre sur la page. On vous donnera la fin de l'histoire lundi prochain. Et on a un peu parlé du côté des enseignants, du côté des étudiants. Est-ce que vous les avez préparés d'une manière ou d'une autre à cette forme d'évaluation un peu particulière ou... Oui, donc ça, on est en train de préparer maintenant, mais c'est pareil pour beaucoup d'entre vous, je pense, d'essayer de leur permettre d'avoir des essais à blanc, à la fois des oraux, mais aussi des écrits, de pouvoir vraiment s'entraîner, l'application utilisée soit la plus familière possible afin de faire baisser le stress du côté de la technique, mais on ne fera jamais totalement baisser le stress puisqu'en fait chez les étudiants il y a une très grande peur de se faire lâcher par la technique en termes de connexion. J'ai maintenant des contacts une fois par semaine avec les étudiants, il y a deux choses qui reviennent vraiment tout le temps dans les questions, c'est sur les modalités d'évaluation, c'est pas assez précis. Ils veulent vraiment tout savoir dans le moindre détail. Il y a une angoisse par rapport à ça. C'est vraiment une des questions qui revient sans arrêt. Et l'autre question, qu'est-ce qui se passe si mon ordi me lâche? Qu'est-ce qui se passe si mon micro lâche? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, on essaye d'avoir comme ça toute une série de stratégies, comme par exemple de charger toutes les applications sur le smartphone, hein, parce qu'évidemment, en cas de panne de voix, par exemple, en plein milieu d'un oral, terminer un oral sur smartphone avec la même application ne serait pas complètement impossible et ça rassurait l'étudiant d'avoir un plan B, de pouvoir passer sur sa 4G, enfin voilà, d'essayer d'imaginer, mais évidemment, même les plans B,
sont marquées de la différenciation sociale. Hein. Tout le monde n'a pas la possibilité de passer confortablement sur sa 4G. Donc ça, malheureusement, à cet égard-là, il faudra beaucoup réfléchir à comment on récupère les cas des étudiants qui ne sont pas bien équipés. Oui, et peut-être pour les problèmes de connexion, prévoir un créneau dans la session aussi, un créneau de backup pour permettre à des étudiants pour lesquels il y aurait eu un souci, de leur dire, c'est pas un problème, on le refait et on a ce créneau, voire ces créneaux. Et ça, c'est de nouveau un avantage de l'oral, parce que reprogrammer un oral est beaucoup moins compliqué que de reprogrammer un écrit avec 200 étudiants. Et sur cette passation de l'oral, j'imagine que ça dépendra un peu des cours, mais donc tu disais, les étudiants préparent et ensuite, ce sont des sessions de plus ou moins combien de temps d'examen ? Est-ce que ça change par rapport à d'habitude ? Est-ce que vous avez adapté les modalités de ce point de vue-là ou... Alors, oui, ce sont des examens plus courts. Maintenant, les collègues qui travaillent en centrale sur les aspects techniques nous conseillaient vivement de conseiller aux enseignants d'avoir une marge, c'est-à-dire qu'ils ont réservé une fenêtre de disponibilité de la plateforme et en fait de prévoir vraiment une demi-heure supplémentaire pour un examen par exemple de 3 heures, de prévoir une demi-heure supplémentaire pour pouvoir absorber des problèmes techniques éventuels. Ok. Mais oui, la plupart font des examens plus courts. Ok. Et donc, on a parlé passation. Pour revenir sur le plan un peu correction et les avantages pédagogiques, on comprend tous les avantages des oraux, à la fois en tant qu'enseignant, pouvoir se rendre compte des forces et des faiblesses de l'étudiant, de sa compréhension de la matière tout au long de l'année dans une période qui a été difficile. Pensons un peu apprentissage pédagogique aussi et côté formatif de l'évaluation pour l'étudiant. Autant le QCM, on en a parlé la semaine passée, enfin le QCM ou le quiz, va permettre à l'étudiant en fin d'évaluation de recevoir assez rapidement sa copie en quelque sorte corrigée avec des feedbacks, voire quelques heures après l'évaluation pour éviter les fraudes. Ça peut être un peu la même chose, on le disait, en utilisant Moodle pour évaluer les travaux online. Moodle va permettre, si vous avez implémenté votre grille, de pouvoir le faire. Et si pas, même si vous le faites de manière offline, vous pouvez sur Moodle corriger chaque travail d'étudiant et le réuploader sur Moodle. Et chaque étudiant recevra son travail avec des annotations, corrections, feedback, la grille d'évaluation et tout ce que vous mettez à leur disposition. Est-ce que d'une certaine manière... J'ai bien compris tous les avantages de l'évaluation orale, mais est-ce que ce n'est pas celle qui permet à l'étudiant de le moins, en quelque sorte, d'avoir un apport formatif par rapport à la matière, parce qu'il va être un peu dans le stress du présent? Est-ce qu'on peut tout de même envisager des modalités pour permettre à l'étudiant que cette évaluation, au-delà du côté certificatif, soit aussi un moment formatif? J'en demande beaucoup. Tu as peur de charger la barque, hein, toi. On va déjà essayer de survivre, hein, déjà. Et on va essayer que tout ne plante pas. On va essayer de ne pas traumatiser tout le monde. Oui, ce que tu dis, c'est l'idéal. Mais c'était vrai d'habitude. Oui. C'était vrai d'habitude. Et donc, est-ce qu'on le faisait avant? Est-ce qu'on se souciait du bac formatif aux étudiants avant? Hein, donc ça, c'est un peu la question. Et de part et d'autre, hein, parce que inversement, des enseignants qui vont à la visite de copie en ayant très envie d'expliquer où est-ce que ça a bugué, ce qui s'est passé, de faire un peu l'analyse de ça avec l'étudiant et qui se retrouve face à un étudiant qui essaye juste de gratter un point ou deux parce qu'il en a besoin. Voilà, il y a des frustrations de part et d'autre, hein, dans cet après évaluation. Ça a toujours été un moment très critique, l'après-évaluation. Un peu l'histoire d'une rencontre qui est presque toujours ratée. Hein. Donc, ça ne sera pas différent cette fois-ci, ce sera peut-être pire cette fois-ci, mais sous quelle forme peut-on envisager de toute façon, la visite des copies, elle aura lieu, hein. c'est un prescrit légal. Donc, de toute façon, ce moment d'échange par rapport à l'évaluation, il aura lieu.
difficile de prévoir aussi s'il y aura beaucoup plus de recours que d'habitude. Difficile de savoir si ce sera plus tendu que d'habitude et si l'enseignant propose post-examen une rencontre en ligne, un petit peu débriefing, est-ce qu'il aura du monde, est-ce qu'il aura pas du monde, enfin voilà, c'est, moi je trouve que la situation est vraiment particulière, je suis pas fichue moi de répondre à cette question là. Donc c'était un peu tiré en quelque sorte les opportunités de la technique, autant peut-être pour notamment pour les quiz, comme on en parlait la semaine passée, ça permet très rapidement à l'étudiant, même si ça fait peur à certains enseignants, de recevoir le feedback par rapport à leur évaluation. Et ici, c'est peut-être le défaut. Une réponse, en effet, apportée dans le chat par Karine, c'est de lui remettre une grille d'évaluation complétée, peut-être par rapport au travail qu'il a fourni, etc. Et en effet, c'est cette grille d'évaluation, vous pouvez également la voir et la transmettre aux étudiants, notamment par l'intermédiaire de la plateforme. Donc, ça peut être une piste. Mais encore une fois, ce n'était pas pour charger plus la barque, c'est parce qu'il y a beaucoup d'avantages à l'oral du point de vue pédagogique. Et finalement, c'était peut-être pointer un des désavantages. Je n'ose même pas lire le commentaire de Jean-Loup. Je vois que tu t'y plonges, mais... Je crois qu'il n'a pas fini. Attends, c'est... on n'a pas la... Est-ce qu'il te reste, de ton point de vue, l'un ou l'autre conseil, vraiment un élément sur lequel on ne serait pas revenu ici, pendant que Jean-Loup continue sa blague. Est-ce qu'il te reste l'un ou l'autre élément à pointer ? Enfin, je reprends, pour te paraphraser, mais je pense que d'une part, la bienveillance, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la bienveillance est importante en cette période. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut faire preuve et usage en cette période. Et deuxième élément, peut-être la communication. Et peut-être que de votre point de vue, ça peut paraître de la surcommunication, mais c'est important d'indiquer aux étudiants toutes les petites étapes qui vont se dérouler dans leur évaluation, la manière dont ça va se passer, etc. C'est quelque chose de nouveau, c'est un contexte complètement nouveau pour eux, donc ça va être important de leur détailler tout ça. Est-ce que toi, tu as l'un ou l'autre élément à proposer aux enseignants, un petit conseil vraiment à garder par rapport à ces évaluations? Moi, j'aime bien cette question à avoir en tête cette année, qui est-ce que je peux prendre le risque de le laisser aller ? Est-ce que je peux raisonnablement prendre le risque et me dire qu'il va retomber sur ses pattes et que malgré tous ces trous là partout dans ce qu'on a essayé de faire avec lui, est-ce qu'il a une chance de retomber sur ses pattes, quoi ? Ok. C'est curieux, hein ? Que je m'éloigne de la triple concordance, hein, mais ça me semble une bonne question. Ok, et peut-être un mot de la fin qui ne vient pas de nous, mais qui est une proposition de Denis Berthiaum, l'évaluation comme quelque chose que l'on fait avec les étudiants et étudiantes plutôt que quelque chose que l'on fait subir à ces étudiants et étudiantes. En effet, sage parole. Oui, mais ça, c'était valable avant. Hein. C'était valable avant. Donc, si ce qu'on est en train de vivre maintenant, où on mesure à quel point on mesure toute la portée du subir, est-ce que ça va nous aider à, après, changer nos comportements par rapport à l'évaluation avec nos étudiants ? Et ça m'amène, Nicolas, tu as vu un peu l'enchaînement que je te lance. En effet, je pense que on n'a plus besoin de Sophie, c'est très bien. Non, je déconne. Mais en effet, en termes de futur, on vous annonce que la semaine prochaine, on recevra l'auteur de cette citation, donc Denis Berthiaum, qui sera avec nous pour penser un peu, d'une part, les enseignements qu'on peut tirer de cette situation de crise
pour le futur et de se dire que toutes ces questions, il y a beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui, où nous, en tant que pédagogue, on se dit, bon, on s'était déjà posé ces questions, mais on voit que les acteurs sont en train de se les poser. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer de ce point de vue-là. Donc, d'une part, en quoi on peut utiliser les enseignements de cette crise pour faire profiter nos enseignements futurs. Et puis, comment penser nos enseignements futurs par rapport aux suites futures de cette crise elle-même. Parce qu'aujourd'hui, du moins dans l'enseignement obligatoire, on n'en sait encore rien pour l'enseignement supérieur en Belgique francophone, mais dans l'enseignement obligatoire, on parle déjà d'enseignement hybride, c'est-à-dire d'étudiants, enfin d'élèves, dans ce cas-ci, qui ne viendraient que quelques jours par semaine, voire oui, un ou deux jours par semaine, et suivraient le reste des cours à distance. On peut se dire que si ça se passe dans l'enseignement obligatoire, pourquoi pas dans l'enseignement supérieur. Et donc, la rentrée de septembre sera peut-être pas, du moins la rentrée de septembre 2020 sera peut-être pas la même que la rentrée de septembre 2019, 2018 et les autres. Il faudra peut-être penser autrement ces cours pour cette rentrée de septembre 2020, en tirant encore une fois les enseignements de ce qui se sera passé, mais aussi en essayant de penser au futur. Et donc pour ça, on recevra Denis Berthiaume, et comme il l'annonce, enseignement supérieur 2.0. On pensera l'enseignement supérieur de demain en 2.0 avec du numérique et en réfléchissant à ce que le numérique nous a fait faire en termes de pédagogie. Ce sera notre apéro de la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à tout ça. Oui, peut-être un petit mot quand même. C'est vrai, peut-être ça va vous surprendre alors que vous êtes encore complètement le nez dans le guidon et que cette session ne s'est pas encore passée. Vous vous dites, mais ils sont fous ceux-là, avec quoi ils viennent? J'ai pas le temps, je suis dans l'urgence, je vais juste mourir. Laissez-moi mourir. Voilà, ça nous a semblé opportun aussi, quelque part, de nous donner cette liberté à un moment donné, de dire, OK, et le jour d'après, et finalement, qu'est-ce qu'on a, à la lumière de ce qu'on est en train de vivre maintenant, qu'est-ce que je ne voudrais pas refaire autrement quand tout ça sera fini? Et si jamais ça devait se poursuivre en partie, de manière intermittente, et en effet, c'est pas complètement dingue de le penser, quelles sont les choses que j'ai envie de changer dans ma pratique qui, de toute façon, seront rentables? Quels sont ces changements que je pourrais faire qui passeraient mieux si on était à distance et qui, de toute façon, seraient intéressants? Finalement, quels sont les invariants qualitatifs pédagogiques et de revenir un peu sur les fondamentaux et sur les premières expériences de cette crise. Voilà, ça peut vous paraître fou, mais je pense que ça va nous faire un bien fou de ne plus nous laisser agir par le destin et de reprendre un peu le lead de ce qu'on a envie de faire en tant qu'enseignant. Voilà. En effet. C'est déjà pensé un peu à demain. Et je me dis, enfin, Sophie qui nous suit dans le chat, hein, on s'était dit et on avait dit devant tout le monde que tant que le confinement durerait et puis toute cette période un peu bizarre durerait, on maintiendrait ces apéros. J'espère qu'on n'est pas parti pour trop longtemps non plus. Mais en tout cas, on peut déjà réfléchir au futur et même si c'est une période d'évaluation, se dire que anticiper ce qui pourrait être fait pendant les mois de vacances, même si certes, il faudra profiter des vacances, mais profiter de cette période aussi pour revoir ses enseignements et les penser dans ce nouveau contexte. On en parlera avec Denis Berthiaume la semaine prochaine. Il fallait du grand format pour faire ça, ouais. Voilà, donc merci d'avance à lui, lui qui était bien présent ce soir dans le chat. Il nous reste à vous dire bonne soirée. Merci en tout cas Nadine d'avoir été présente, d'avoir remplacé au pied levé Sophie. Prêt. Et c'était très chouette de passer ce moment avec toi et avec toutes les personnes dans le chat. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt.